Today, we are here, we stand for Palestine. Our Dabki group, Raja'in. That means we are going back to Palestine. We are going to our village and to our cities in Palestine. Not we only, but you are also welcome after the liberation, inshallah. Israël boycotte la Palestine et étrangle les Palestiniens pour les empêcher de survivre. Et donc, l'humanitaire, ce n'est pas la solution. L'Union européenne utilise l'humanitaire pour contrôler les Palestiniens. Et il y a ici quelqu'un donc, qui a préparé cette très bonne nourriture et qui a ce stand d'artisanat là-bas. C'est très très important. Le Philistin, c'est une coopérative de soutien aux paysans et aux artisans palestiniens sur place pour justement les aider contre l'étranglement économique. Alors il y a l'huile d'olive qui est vraiment excellente, je peux le dire, je l'utilise tout le temps. Il y a d'autres produits alimentaires, il y a de l'artisanat. Et donc c'est vraiment une action très très importante pour le soutien directement aux Palestiniens contre le boycott dont ils sont victimes. On va parler maintenant des possibilités de boycott au niveau du sport. John Timon anime the campaign Football Against Apartheid in Great Britain. And can you explain what it is? Thanks everybody for coming. And before I say anything, I must congratulate everybody here for all the campaigns that you've done, some very successful and some not successful. So, merci de m'inviter pour toute la campagne que vous faites. Certaines réussissent, d'autres non. Yes. I don't want to necessarily ask anybody here to join my campaign, but today je ne viens pas forcément pour vous demander de participer à ma campagne, mais we've got about 20 million people today just watching football, but we are here today. And we want to try and address that and get our message across to that 20 million people. Mais nous voulons nous adresser à 20 millions de personnes. Yeah, the football campaign is completely different to any or all of the other campaigns. La campagne de football est tout à fait différente de toutes les autres. In that when we achieve a result, the result is absolutely devastating for Israel. Et le résultat de cette campagne peut être dévastateur pour Israël. Like South Africa, they will be expelled from FIFA permanently. Until they disband apartheid completely. Comme l'Afrique du Sud a été exclue de manière permanente de la fédération internationale. That means that they're excluded from the World Cup, from the European Cup, and from the club competitions in Europe, the most lucrative financial
clubs or competition in the world, that's European Cup and the Europa Cup. Et il s'agit d'exclure Israël, qui, en dépit de la géographie, fait partie des fédérations européennes, des coupes mondiales, des coupes européennes, pardon, de football, qui représentent un business énorme. FIFA, the World Organization of Football, has to write to every association in the world, telling them. La FIFA, donc la Fédération internationale de football, doit s'adresser à toutes les fédérations nationales. Telling them that they must also write to all of their football clubs, all their colleges, schools, universities. Et il faut qu'elles écrivent à tous les clubs de foot, y compris dans les écoles et les universités. Telling them they must have no football contact with Israel. At all. Not only that, but they must have no sporting contact with Israel. Et ne plus entretenir aucune relation sportive et aucune relation avec Israël. And that too is just the beginning of the punishment, because all of those students in all those colleges will graduate next year, and they will have power in those. Et ça, c'est seulement le début de la punition, parce que tous ces étudiants vont être diplômés l'année prochaine et vont donc se retrouver dans le monde du travail et des entreprises. Yeah. The graduates will now be teaching in universities, to be in industry, and to be in commerce, telling everybody the same message, asking parents and asking bosses, why are you dealing with Israel when we cannot play football? Ils seront donc dans l'industrie, dans le monde du travail, et dans les écoles, et ils diront aux parents, n'acceptez pas ce qui se fait là. And the demand is minimal from FIFA to say we peacefully expel part of Israel from FIFA, the same, very, very same as we did to South Africa on the 16th of July 1976, when they were expelled by 78 votes to 9. Et donc le but est d'expulser les clubs israéliens de la même manière que dans les années 80 et 90, les clubs sud-africains ont été exclus. It certainly is the most devastating result of any of the campaigns that we stand by, because it really will hit the news, hit the media, it'll be on television, it'll be on everywhere if Israel is expelled from FIFA. Donc, en résumé, merci encore pour votre aide. Nous voulons vraiment faire une campagne énorme et nous voulons que ça soit à la télévision et partout. Silvano Falessi est actif dans le Fronte Palestino en Italie. Et ils ont lancé une campagne contre le fait que le Giro d'Italia, donc l'équivalent du Tour de France mais en Italie, va cette année, 2018, démarrer à Jérusalem. Donc exactement pour le 70e ou 70e anniversaire de la Nakba, le Giro d'Italia va faire la provocation de parler à Jérusalem. Le Tour de France ou le Giro, c'est déjà arrivé, et qu'ils partent dans d'autres pays, la Belgique, la Hollande, la France, etc. Mais là, en Israël, c'est une première, ça a vraiment une signification spéciale. C'est pour l'argent. Non, c'est simplement un problème relatif aux soldi. Ce n'est pas juste une question d'argent. Mais c'est une question relative à une vision stratégique du sport de la part de la... dell'entità sionista. C'est plutôt une vision stratégique du sport de la part de l'État sioniste. Che in questo caso dimostra che l'evento sportivo diventa un evento strategico, un evento politico, tutto teso alla consacrazione del 70° anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Dans ce cas-ci, c'est évident que un événement sportif, ça se transforme dans un événement politique, stratégique pour l'État d'Israël, pour les 70 ans de sa construction. Qui est le 70° de la Nakba, per i palestinesi. C'est aussi le 70e anniversaire de la Nakba, c'est pas un cas. Oltretutto, in questo anno particolare, combacia con la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Trump di trasferire l'ambasciata statunitense a Gerusalemme, intendendo Gerusalemme come capitale dello Stato sionista e non della Palestina come noi riteniamo. E ça tombe aussi dans la même année de la déclaration du nouveau président des États-Unis Trump qui veut que Jérusalem soit considérée comme la capitale effective de l'État d'Israël. Alors justement, j'ai vu, en préparant un peu ce problème, qu'il y avait eu toute une dispute, un conflit, enfin une contradiction entre les organisateurs et le gouvernement de Netanyahou, parce que les organisateurs avaient annoncé que le Giro allait partir de Jérusalem-Ouest et le gouvernement israélien n'aimait pas ça du tout.
Questo problema è stato in realtà risolto in 3 ore. Il tempo che sul sito ufficiale del Giro d'Italia uscisse fuori la partenza del Giro da Gerusalemme Ovest. Donc ce problème a été résolu en très peu de temps, en 3 heures, sur le site de Giro d'Italia. Et era comparso che il Giro partiva da Gerusalemme Ovest. Ok, sur le site de Giro d'Italia, on a écrit que le Giro d'Italia allait partir de Gerusalemme Ovest. Quando è avvenuto questo, l'ambasciata di Israele ha chiamato gli organizzatori. L'ambasciata di Israele ha appelé les organisateurs. E gli ha detto che c'era un errore. E le ha detto che c'era un errore. Perché la capitale di Israele era Gerusalemme e non Gerusalemme Ovest, per cui avrebbero dovuto correggere l'errore. Donc ils ont spécifié clairement que la capitale d'Israël est bien Jérusalem et non pas Jérusalem Ouest et qu'ils auraient dû changer donc cette erreur, modifier. Et gli organizzatori hanno eseguito l'ordine impartito dall'ambasciata. Et les organisateurs ont exécuté l'ordre qui est parti de l'ambassade israélienne. Scusandosi che loro non intendevano politicizzare l'evento. Ils se sont même excusés en disant désolé, on ne voulait pas politiciser l'événement. Donc les organisateurs se mettent à genoux devant le gouvernement israélien. C'est pourquoi? C'est pour l'argent? C'est pour l'argent. È per i soldi, perché comunque il governo israeliano ha finanziato con 18 milioni di euro la partenza del Giro da Israele. C'est pour l'argent, c'est sûr, parce que le gouvernement d'Israël a donné 18 millions d'euros pour l'organisation du Giro d'Italia. Combien? 18 millions. Oui, c'est pour l'argent. È per la gente, è per i soldi, ma è anche per un fatto politico di sudditanza rispetto a un passaggio per il governo di Israele molto importante in questo anno specifico, che appunto è per le celebrazioni del 70° anniversario dello Stato di Israele, per Gerusalemme, capitale di Israele, perché questo è il vero nocciolo della questione. C'est pour l'argent, mais bien sûr c'est aussi stratégique, c'est pour faire en sorte que tout le monde comprenne que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Une question. C'est évidemment arrangé par le gouvernement israélien, mais on pourrait dire que c'est quand même une occasion de donner un peu de visibilité aux Palestiniens. Il y aura les caméras, on va parler d'eux. Ok, questo ce lo auguriamo fermamente. Fortemente. Nous espérons vivement que ça arrive. Che sia in Palestina, nelle 3 tappe che si terranno a Gerusalemme, infatti la Viv e nel Negev, i palestinesi assumano la giusta visibilità che spetta alle loro rivendicazioni. Nous espérons que les Palestiniens dalle 3 étapes du Giro d'Italia qui vont passer a Haifa, Gerusalemme e deserto del Negev. E deserto del Negev. Donc les Palestiniens soient présents et qu'ils puissent organiser une bonne mobilisation pour se faire entendre, être visible. Considérant que l'événement sera dato in Eurovisione e Mondovisione, per cui centinaia di milioni di persone vedranno questo evento con la telecronaca apologetica dello Stato di Israele. Surtout parce que beaucoup de personnes vont suivre ce Giro d'Italia, vont suivre ça sur l'émission Eurovision, c'est ça? Et avec une explication, donc une description de ce qui se passe, qui bien sûr dépend de l'État sioniste. Et anche in Italia faremo noi in modo che ci sia visibilità sul problema rappresentato da questa legittimazione dello Stato di Israele attraverso il Giro d'Italia. En Italie aussi, nous ferons tous les efforts possibles pour donner visibilité à ce problème. Comment les médias italiens réagissent-ils par rapport à cette situation? Les traductrices doivent rester neutres, s'il vous plaît. I media italiani finora hanno gestito la contraddizione tenendo un basso profilo. Les médias italiens, ils ont géré cette grande contraddiction faisant semblant de rien. Mai come quest'anno del Giro d'Italia non si sta parlando in Italia.
fait, cette année, c'est la première année que le Giro d'Italia, on n'entend pas trop parler à la télé, c'est bizarre. Perché c'è un disagio a pubblicizzare un evento sportivo che parte da una terra così martoriata e vediamo in queste settimane quello che sta succedendo intorno a Gaza e in altre parti della Palestina. Il y a un certain gêne de la part des médias de parler de cet événement sportif qui commence dans une ville si martyrée avec tellement de problèmes dont on devrait parler, peut-être on ne le fait pas ou donc, pas assez. Pour les médias, faites du vélo ou pas de la politique. Pour les médias, c'est oh, Giro d'Italia. Il ne faut pas traduire. juste ma dernière question. Quelles sont vos actions concrètes pour sensibiliser sur ça? Ok. Noi siamo già partiti diversi mesi fa con molte mobilitazioni in molte città d'Italia, non solo noi come Fronte Palestina, ma anche il BDS Italia e altre organizzazioni coinvolte. Abbiamo cominciato tutta una serie di comunicazioni ufficiali da parte della nostra organizzazione Fronte per la Palestina e anche del movimento BDS Italia. In molte città, in Milano, Torino, Napoli, Firenze, Padova, Cagliari, in molte città abbiamo fatto sit-in e volantinaggi e nous avons fait dans beaucoup de villes dans le nord, dans le sud, dans le centre d'Italie donc du flyering, du tractage pour réveiller les consciences par rapport à ce qui se passait, aussi des sit-in et des mobilisations e anche dimostrazioni ciclistiche. Per cui manifestazioni civili. Manif di vélo, voilà, des gens donc en vélo qui manifestent pour une bonne pour une prise de conscience du problème. Et du Giro d'Italia cette année. Di cui so che una è stata fatta anche qui in Belgio in relazione proprio alla partenza del Giro d'Italia, così mi dicevano. Donc, il y a eu ici en Belgique aussi un groupe de gens qui ont fait cette démonstration en vélo. Pour le départ du Giro d'Italia, le départ officiel, le début officiel du Giro d'Italia. E abbiamo anche cercato di coinvolgere con un discreto successo le associazioni sportive al boicottaggio di questa partenza dal Giro d'Italia. Nous avons aussi essayé et avec un discret succès nous sommes arrivés à inclure d'autres associations sportives dans cette mobilisation. Je tourne vers Yann Materne qui a beaucoup animé le club sportif populaire ici à Molenbeek, Jet Fire Gym. Et c'est un groupe de sportifs et de jeunes faisant de l'entraînement qui est justement sensible à ces enjeux politiques. Je me souviens qu'en 2002, avec Carlos Pérez, il y a eu un voyage en vélo jusqu'en Irak pour sensibiliser tous les pays qui été traversé contre la guerre que Bush allait malheureusement déclencher. Il y a aussi beaucoup de sensibilité sur la Palestine. Bien, Yann, en écoutant John, en écoutant Silvano, quelles sont tes réactions par rapport au travail qu'on peut faire parmi les jeunes en utilisant justement le sport comme un moyen de conscientiser? C'est de prendre les thèmes qui se passent autour de nous et que les gens voient ce qui se passe, entre autres, maintenant en Palestine et en Syrie, etc. On essaie de les prendre, on essaie de justement parler, travailler avec eux, et quand on sent que ça les bouge, on essaie de faire des actions avec eux. C'est comme ça qu'on, finalement, ensemble avec les jeunes, on a décidé, on doit aller voir sur place, on doit aller s'opposer sur place. On a été en Irak, et on a utilisé le sport à ce moment-là, on n'a pas été en vélo, on a fait une course pour la paix. Et ensemble aussi, on a mis un mot d'ordre dans lequel on a mis pas d'argent pour la guerre, ni en Irak ou ailleurs. Pour nous, c'était important de mettre ailleurs parce que, oui, il y a de la guerre partout et les raisons sont souvent les mêmes. Mais plus d'argent pour l'enseignement et le bien-être de l'enfant. Parce qu'à ce moment-là, on peut lier aussi ce qui se passe ici, ce qui se passe là-bas. Et voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de mobiliser les jeunes. On a été avec deux fois en Irak, une fois avec 20 et une fois avec 50. On a récolté du matériel médical, sportif, on a amené là-bas, on a fait faire des dessins aux enfants à Bagdad, en Irak. Et comme ça, on a ramené, donc on a vraiment essayé de faire des liens et de créer, de conscientiser les gens aussi bien là-bas sur place que ici en Belgique.
Voilà, donc ce sont des actions intéressantes à populariser et peut-être à organiser des coopérations internationales. Oui, ça je pense certainement, et surtout que le sport n'est pas neutre comme on veut nous le faire croire. Je pense que vraiment le sport peut être un outil magnifique pour travailler avec les jeunes, mais aussi pour conscientiser et mobiliser le monde autour de nous, ce que font aussi les gens ici à côté de moi. Voilà donc toute une série d'expériences et de bonnes idées intéressantes. Je vous remercie. Je vous avais prévenu, je vais donc appeler les participants au débat université avec Karl Arnaud, Charlotte Kates et Mireille Gabrel. Je vous avais prévenu que j'allais être accueilli aujourd'hui. Vous avez encore envie de les entendre plus, voire de poser des questions. Mais ce n'est pas possible, parce que sinon, vous n'entendrez pas les suivants qui sont tout aussi bien, ou alors on va être sans électricité, ce qui posera un problème. Donc, je signale que si vous avez envie de leur poser des questions, les intervenants sont tous invités. Il y a un café ici, sur le boulevard. On a réservé la moitié du café. C'est Café Brasserie, si jamais vous avez encore envie de prendre quelque chose. Et il y a des plans pour s'y rendre en groupe et ne pas se perdre. Ce n'est pas évident dans la VUB de s'y retrouver. Donc on prendra des guides et on ira en groupe là-bas. Mais c'est à 50 mètres, hein, c'est tout près. Et vous aurez ainsi l'occasion de leur poser toutes les questions que je n'ai pas eu le temps de leur poser. J'appelle Dirk Arnaud, Charlotte Kates et Mireille Gabrel. Good afternoon, bon après-midi. Karl Arnaud, vous êtes professeur à la KUL, donc l'Université de Louvain, sur les migrations, les problèmes de minorité, et votre spécialité pour laquelle on vous a invité ici, c'est de nous parler du problème Lautrel. Donc, quand j'ai entendu ce nom, je me suis dit, bon, c'est un rapport avec la SLCB, les chemins de fer, mais pas du tout. C'est quoi Lautrel, s'il vous plaît? C'est un projet de recherche, okay. Ouais. Okay. Va bien. Qui a commencé en 2015, financé par la Commission européenne, pour un montant de 5 millions d'euros, et qui a comme objectif d'améliorer les méthodes interrogatoires de la police. Donc, train, c'est le training en fait. Exactement. C'est le training des flics. Oui. Et law, c'est la loi. La loi ou autre chose. Voilà. Entre guillemets. Alors, le projet est coordonné par une université en Israël. Comment ça s'appelle encore? Bar-Ilan, c'est ça. Et au fait, c'est là c'est cette université-là qui reçoit la majorité des fonds de l'argent. Et on a constaté que nos collègues du département de criminologie étaient partenaires académiques dans ce projet. Alors, et c'était le seul partenaire académique en Europe. Au fait, les autres partenaires étaient des services de police de Portugal, Roumanie, évidemment d'Israël aussi. Et voilà, c'était ça le projet qui termine cette année-ci. Et donc vous n'étiez pas d'accord, et qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, on a commencé nos actions en septembre 2016. On a commencé par une lettre ouverte au recteur de ce temps, Rick Torfs, avec une centaine de signataires. Mais ça ne l'intéressait pas beaucoup, j'ai entendu. Ben, ça lui intéressait énormément dans le sens qu'il nous a invités à dialoguer là-dessus. Et on a dialogué à plusieurs occasions. Il s'invitait toujours lui-même et en utilisant des arguments très, je dirais plutôt farfelus. Par exemple, il utilisait l'argument de la liberté académique, qui est évidemment très relatif si on fait si on collabore avec des services policiers qui
qu'ils utilisent des méthodes de torture et qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme. Voilà. Et on a discuté jusqu'en mai 2017, au moment qui n'a pas été réuni. Et je crois que c'était un des dossiers qui a joué dans son échec. Vous voulez dire, parce que pour nos amis étrangers, Rictor, c'est une très personnalité très importante en France, il est tout le temps dans les débats, c'est considéré comme un expert, et vous voulez dire que cette personnalité importante a perdu son mandat de recteur de l'université, notamment à cause de ce problème. Entre autres. Il y a des bonnes nouvelles. Oui. Le recteur suivant, ça a été mieux. Oui. Mais avant les élections, on avait demandé l'autre candidat, Luxels, quelle était sa position dans cette question. Et il nous a dit franchement que pour lui, ce projet n'était pas acceptable. Voilà, on savait très bien quelle était sa position. On l'a communiqué évidemment parmi, entre-temps, on avait 2300 signataires. On l'a communiqué et puis ça a joué certainement dans les élections. Donc voilà, dans une des universités les plus connues et prestigieuses dans le monde, on peut arriver à peser sur le choix du recteur par rapport à un dossier comme ça aussi difficile. Donc ça, c'est un encouragement, un conseil à nos amis, un conseil de votre part. Ben, il faut insister. Il faut voir quelles sont les stratégies utilisées par les autorités pour qu'on n'a pas de succès. Et il faut voir comment déjouer, disons, ces stratégies-là. C'est un peu cela. Et il faut aller directement aux personnes concernées, par exemple, pour le recteur. On l'a demandé une position avant les élections. Tout à fait, directement après les élections, on a redemandé encore de confirmer sa position. Et puis finalement... Et il a fait une déclaration très forte. Hein. Je vais lire la traduction en français parce que je crois que c'est bien de le communiquer à tout le monde. C'est le genre de choses qu'on va mettre sur Internet et qu'on doit, je crois, beaucoup échanger entre eux. Ce recteur a déclaré « La participation du ministère israélien de la Sécurité publique pose en effet un problème éthique. Vu le rôle que ce bras puissant du gouvernement israélien joue dans l'occupation forcée et illégitime des territoires palestiniens et dans l'oppression de la population palestinienne. » Donc ça veut dire qu'on a des bons résultats. Merci, thank you. Charlotte, you are active in Sabidun Action, there's a committee for prisoners. Vous êtes active donc dans le comité des prisonniers qui s'appelle Sabidun. Et what was the work of Sabidun at the university? Quel était le travail de votre comité Sabidun? Well, here in Belgium, Sabidun was also part of the Law Train campaign. We were part along with many other community organizations that joined together with faculty and students at the university to build a campaign for public accountability and to stand against all of our universities and institutions being complicit in the oppression of Palestinians. Donc nous sommes engagés dans une campagne coordonnée avec beaucoup d'autres associations d'université pour une campagne pour les droits des Palestiniens. Moving beyond Law Train, any cooperation with Israeli universities, whether it's through study abroad programs or joint research projects, essentially is placing our universities and institutions as part and parcel of Israeli institutions which are deeply integrated into the Israeli military system. Et donc si on s'engage dans des programmes d'échange, de recherche et coopération avec des universités, ça veut dire qu'on s'intègre dans un programme de répression des Palestiniens. And so we are active in campaigns in our local areas for academic boycott of Israel through student organizers, faculty organizers, and community organizers. Et donc voilà, nous nous engageons dans des programmes communs avec des organisations d'étudiants et des organisations communautaires. And it's important to note that there are currently 300 Palestinian university students imprisoned in Israeli jails, including the president of Bir Zeit Student Council. Il faut savoir qu'il y a 300 étudiants palestiniens
qui sont emprisonnés dans des universités pour le lapsus, et y compris le président dont je n'ai pas retenu le nom de l'association des étudiants. And so, if we are going to stand for academic freedom, then we need to stand for the rights of Palestinian students and Palestinian professors to participate in their campuses, including in politics and life and struggle, without being subject to imprisonment and apartheid on a daily basis. Donc, si nous nous engageons pour la liberté académique, eh bien, ça doit être la liberté académique des professeurs et des étudiants palestiniens qui doivent pouvoir s'exprimer sans crainte d'être emprisonnés. You also boycott the fact of organizing study in Israel. Vous boycottez aussi le fait de programmes d'échange que des étudiants aillent étudier en Israël. Why? Yes, the U.S. campaign for the academic and cultural boycott of Israel is organizing a campaign to boycott study abroad in Israel. Study abroad programs. Donc nous boycottons l'idée de faire des études en Israël. Study abroad campaign programs are organized in partnership with an Israeli university, and Israeli universities are not academic and absent from the position of colonialism in Palestine. Parce que ces programmes sont organisés en coopération avec les universités israéliennes, et ces universités ne sont pas des trucs académiques isolés de la vie réelle. Israeli universities are part and parcel of research and development, military training, study of the psychology of Palestinians. Ces universités sont impliquées concrètement dans des programmes de... J'ai perdu le film parce que je suis fatigué. Voilà, comme vous avez dit. Psychologie et... et des programmes militaires, pardon. And so, when we talk about study abroad in Israel, these are programs that are directly linking all of our universities with Israeli institutions, providing support and normalizing, participating in institutions that are part and parcel of an oppressive regime. Et donc, quand nous organisons des coopérations académiques et universitaires, ce sont directement des coopérations vers la répression du régime. And so what we say is that we will not study abroad in Israel until Palestinians can return. Et donc nous disons que nous n'irons pas étudier en Israël tant que les Palestiniens n'auront pas le droit de rentrer dans leur patrie. I heard that when you came to visit Palestine, you were blocked at the Ben Gurion airport. Does it mean that Israel is afraid of what you and others are doing? J'ai donc appris que lorsqu'elle avait fait un voyage de solidarité pour les prisonniers là-bas, elle avait été bloquée à l'aéroport Ben Gurion, n'avait pas pu entrer, et donc je demande si ça veut dire qu'Israël a peur de ce genre d'action. Like many others, I'm sure many others here in this room, I have had the experience of being denied entry to Palestine. Comme pas mal de gens dans cette salle, j'imagine. J'ai fait l'expérience d'avoir un refus d'entrée en Israël. Of course, the denial of international activists is something that is being done on a systematic level in order to attempt to kind of block international knowledge of what's happening in Palestine. Ce refus d'accès, c'est quelque chose qui a été fait systématiquement pour empêcher la connaissance. But of course, it pales in comparison to the ongoing denial of entry perpetrated on a massively systematic level against Palestinians, both from exercising their right to return and Palestinians who simply want to visit family in their homeland. Et donc, c'est lié au fait d'empêcher les Palestiniens d'exercer leurs droits et aussi aux gens d'aller tout simplement visiter leur famille là-bas. But it does represent the fact that the Israeli state is worried about boycott activities. The passage of the boycott law and the exclusion of international activists. Et donc ça montre qu'Israël craint vraiment l'extension du boycott. It does show that all of our campaigns, whether we are organizing in our town, at our markets, at our universities, in our institutions, in our labor unions, in our churches, that wherever we are organizing, we are building solidarity and support for the Palestinian people. Et donc avec tout ceci, nous construisons la solidarité pour le peuple palestinien. We are exposing the false normalization of a racist settler colonial state. Nous dénonçons la fausse normalisation
d'un régime de colons, de colonisateurs. And so the true face of Israel is becoming more and more visible around the world, and it's not only becoming visible when governments or major international institutions take action, but when we build power in our own communities to do so. Et donc la véritable nature d'Israël s'expose de plus en plus internationalement, et ça, ça ne dépend pas de ce que les gouvernements font, mais de ce que nous, nous faisons. Israel wants to stop our abilities to build bridges with our Palestinian sisters and brothers struggling in Palestine, to build our united global resistance for change. But Israël veut nous empêcher de construire des ponts avec nos frères et nos sœurs de Palestine pour provoquer le changement. But no racist border controls at Ben Gurion Airport are going to be able to stop the movement for the liberation of Palestine. Ce n'est pas en bloquant dans les aéroports qu'ils arriveront à empêcher la solidarité. Je me tourne vers Mireille, tu animes la section Lille-Nord-Pas-de-Calais de l'association France-Palestine Solidarité, très très motivée par la campagne des investissements sanctions. D'après ton expérience, votre expérience personnelle à Lille, dans la région, c'est possible de remporter des victoires? Ah oui, c'est possible de remporter des victoires. On en a remporté plusieurs sur l'île et sa métropole. Effectivement, je suis militante de l'association France-Palestine Solidarité, qui est une association nationale et qui est divisée en plusieurs groupes, une centaine de groupes sur toute la France, dans plusieurs villes de France. Et nous avons effectivement remporté une victoire très récemment. C'était le 14 février. Et voilà, donc je vais décrire un petit peu peut-être comment ça s'est passé, parce que en fait je ne suis ni universitaire et on ne milite pas spécifiquement non plus dans le domaine universitaire à l'FPS. Mais il y avait un festival qui était organisé par des étudiants de marketing. Voilà, donc en fait nous avons appris par un concours de circonstances, donc 3 jours avant, le dimanche soir, on nous a apporté en fait cette affiche que je vais vous montrer. Qui donc annonçait un festival culturel pendant 4 jours sur l'île, voilà, organisé par des étudiants de l'IAE de Lille, donc l'Institut d'administration des entreprises, donc qui travaille sur le management, le marketing. Et donc dans le cadre de leurs études, cette association d'étudiants organisait un festival qu'ils ont intitulé « Escale israélienne à Lille ». Donc le dimanche soir, on a regardé un petit peu sur leur site, leur Facebook, comment ce festival se déclinait sur les 4 jours. Et puis on a regardé attentivement l'affiche. Alors peut-être que ceux qui sont devant se sont aperçus de quelque chose d'étrange. C'est que... Tiens, Michel. Dans l'étoile qui se trouve là, tout en haut, il y a le Dôme du Rocher. Le Dôme du Rocher, l'esplanade des mosquées, comme chacun sait ici, ça se trouve pas en Israël, mais en Palestine occupée, à Jérusalem-Est. Donc on s'est dit, tiens, déjà c'est étrange. Une escale israélienne avec le Dôme du Rocher dans le haut de l'étoile. Donc on s'y dit déjà, il y a viol du droit international là. Donc on a tout de suite contacté nos camarades qui sont professeurs à l'université de Lille 1, là où devait commencer ce festival. On leur a envoyé cette image. Et puis voilà, ça s'est mis, l'action s'est mise en branle très rapidement, en 48 heures. On s'est retrouvé donc sur l'université avec, en appelant évidemment à un rassemblement par notre association, mais aussi par les enseignants de l'université de Lille 1 et par les étudiants, notamment des étudiants palestiniens également. Mais on a eu aussi l'occasion de faire connaissance avec une étudiante franco-israélienne qui a témoigné justement de l'embrigadement tout jeune là-bas en Israël et ce qu'elle a vécu, puisqu'elle a vécu son enfance là-bas. Et comment ils étaient eux-mêmes embrigadés, les jeunes, et donnaient une image toujours très positive à l'extérieur de leur état. Donc là, vous avez eu une victoire rapide. Ce n'est pas toujours le cas. La ville de Lille elle-même s'était jumelée avec la ville de Safed, qui est considérée par le journal israélien Haaretz comme étant la ville la plus raciste d'Israël. Là aussi, vous avez gagné, mais ça a pris plus de temps, je crois. Oui, alors là, c'est vrai que là, ça a duré en 3 jours de temps, hein, puisque ce sont eux-mêmes les étudiants qui ont décidé d'annuler leur festival, les 4 jours de festival, qui devaient d'ailleurs se tenir sur plusieurs endroits à Lille.
Donc ils ont décidé eux-mêmes d'annuler leur festival parce que nous, on avait de toute façon annoncé qu'on continuerait nos rassemblements et nos informations. On a eu beaucoup d'échanges avec les étudiants, hein. Ça s'est fait tout à fait pacifiquement, contrairement à ce qui a pu être dit dans le journal local. Mais effectivement, on avait remporté quelques années auparavant, en 2014, une autre victoire qui a été un combat beaucoup plus long, sur 5 ans, parce que la ville de Lille, comme tu le disais, est jumelée avec la ville israélienne de Safed, qui est la ville la plus raciste d'Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal israélien Haaretz, qui avait fait une enquête sur cette ville israélienne. Et donc, pendant les massacres à Gaza qui ont eu lieu en hiver 2008-2009, on avait, pendant les manifestations, déjà informé la population lilloise, qui n'était déjà pas informée de ce jumelage. Et donc on a commencé à mettre en place une pétition qu'on a fait circuler non seulement pendant les manifestations, mais également par des participants aux manifestations qui ont souhaité faire signer la pétition dans leur quartier, donc faire du porte-à-porte également. Et on a eu l'opportunité, parce que ça a toujours un combat très long, c'est difficile de rompre des jumelages, pendant les massacres qui ont eu lieu en 2014 à Gaza encore, où il y a eu des manifestations énormes sur l'île, plusieurs milliers de manifestants, ça nous a donné l'opportunité de recommencer cette campagne de boycott et d'informer, de faire circuler la pétition. Et on a recueilli des milliers de signatures de cette pétition qui appelait donc à la rupture du jumelage de l'île avec Safed. Et au premier conseil municipal de l'île en octobre 2014, la ville de Lille, le conseil municipal a décidé de suspendre, c'est pour ça que je dis que c'est une demi-victoire, de suspendre le jumelage de Lille avec Safed. Ça a été aussi une victoire. Ils ont voulu un peu sauver la face. Je m'excuse, mais j'ai encore d'autres panels qui vont suivre. Je sais qu'il y a beaucoup à raconter. Donc on se retrouvera pour tous ceux qui veulent des détails dans la brasserie que j'ai mentionnée. Juste très très brièvement, sur base de cette expérience, quel conseil donner ? Alors c'est deux expériences très différentes, hein. Vous avez bien compris qu'en 5 ans et en 48 heures c'est pas les mêmes domaines non plus, simplement d'être déterminé, d'être tenace, comme disait Mahmoud Darwish, parce que nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Merci beaucoup pour ce prochain intéressant. J'appelle Ron Barkan et Michel Stachowski. Ronny Barkan et Michel Stachowski, s'il vous plaît. En tant que juif et citoyen israélien, quel est votre l'aspect spécifique de ce combat pour BDS? I will start by saying that if the Belgian government performs certain crimes, then Belgians have certain ways in order to tackle that, because there is some basis. Si le gouvernement belge commet des crimes, les citoyens belges ont certains moyens d'action qu'ils doivent employer. There is some basis, there is some foundation that they can build on. There is a constitution, there is a European Court of Human Rights, and so on. Et pour ça, ils peuvent s'appuyer sur la constitution belge ou la Cour européenne des droits de l'homme. The exact opposite situation exists in the Zionist state. Dans l'État sioniste, c'est exactement le contraire. The very state is based on everything that we regard as democratic values, like equality, rights for minorities, multiculturalism, and so on. L'État est basé sur des valeurs de la démocratie, du multiculturel. Yeah. It is based, its foundational elements are that of supremacy and exclusivity. C'est les fondements même de l'État d'Israël sont la supériorité et l'exclusion. So actually my situation is to be one among the privileged group. Ma situation est de faire partie du groupe privilégié who receives their privileges directly by denying the rights of the others. Qui reçoivent des privilèges en déniant, en niant les droits des autres. And my only option is whether to accept that situation or to struggle against it, donc, to bring it down. Ma seule option, c'est ou bien j'accepte ça, ou bien je le combats. So obviously. Obviously, it's a no-brainer. To be an Israeli dissident, to oppose everything that the Zionist state represents.
Now the question is, how do we do it, and what is most effective? Donc la question en tant qu'opposant israélien à ce système, c'est qu'est-ce que je fais pour m'y opposer? So we can do things as an Israeli citizen. I can do certain things inside, both in the form of education. Je peux faire des choses, par exemple sur le plan éducation. Also trying to bring together different groups that have been oppressed under Zionism, and there are many such groups. Et essayer de rassembler des groupes qui ont été opprimés. Primarily Palestinians who have been oppressed, but also Mizrahi Jews and the ultra-Orthodox and many, many other groups. Et donc ça vise évidemment les Palestiniens, des Juifs orthodoxes, d'autres groupes. And we're trying to tie in this message to unite people against those who have been oppressing them and to make them understand that they are under the same boot. Et donc nous essayons de les relier en tant que groupe opprimé et de leur dire que l'oppression est la même. And also, obviously, to take direct action against Zionist crime. So just recently, exactly a month ago, we went, a handful of people, as an act of solidarity to the perimeter of the Gaza ghetto. There is no border with Gaza, we have to be clear. There is a perimeter of a ghetto or a jail. Et donc nous sommes allés il y a un mois à la frontière avec Gaza. C'est pas une frontière, c'est un ghetto en fait. And we went to carry out a symbolic act of solidarity with the people in Gaza, carrying messages in support of BDS and in support of the people in Gaza. Donc nous avons été porter un message symbolique de solidarité avec les gens de Gaza. And that video where we are calling, a friend is calling the Israeli soldiers there, and she is referring to them as terrorists. Donc ces gens sont considérés comme des terroristes. And that video went viral, and Netanyahu, the prime minister, responded to it, and Lieberman, the minister of defense, responded. Notre vidéo est devenue virale, et Netanyahu et le ministre Lieberman ont répondu. And they responded by saying that they will legislate a law saying that filming Israeli soldiers in action could land us in jail for 5 years, and if we do it, ils ont répondu en disant que filmer des soldats israéliens en action pouvait vous mener en prison pour 5 ans. And if we do it to harm state security, that could also be 10 years in prison. Et que si on met en danger la sécurité de l'État, ça peut être 10 ans. And my message to you is, let them legislate these laws. Mon message est, laissez-les les faire cette loi. Israel finally, after 6 decades of sheer impunity during the past decade, during the BDS, since the BDS campaign started, we see a clear shift in Israeli perception abroad and Israelis' perception about themselves. Depuis quelques dizaines d'années où Israël commet tout ça, on voit bien que la perception d'Israël à l'étranger est en train de changer. And this recent suggested law clearly exposes Israel for what it is. So let them legislate. Let them expose their true face. Laissez-leur faire ces lois parce qu'elles exposent le vrai visage d'Israël. Let them expose and show the world what the character of Israel is all about. Laissez-leur montrer donc ce vrai visage. I would like to ask you, how do you think the media in the West are covering Israel? Comment est-ce que les médias d'Occident couvre Israël? So when I mention education, it is not only towards Israelis, but also towards the rest of the world. And the BDS is also a great educational tool because le we stick. Mouvement BDS est un mouvement éducatif en fait. Because again, for 6 decades there was this whole discourse of lies, and now we managed to finally crack through that propagandistic discourse and discuss the real issues, and the real issues are these three fundamental rights. Après 6 décennies, en fait, nous arrivons à briser ce discours de propagande et à montrer quel est le vrai problème. So, when we demand the rights, rather than talking about one state or two states or 5 states, donc when we quand nous exigeons nos droits plutôt que de discuter sur un état, deux états, etc. When we demand the rights, all three fundamental rights of Palestinians, that in itself changes the whole discourse. Quand nous demandons les libertés des Palestiniens, ben ça change la situation. And that is something that Israel is really terrified about. Je voudrais clarifier. Israel is terrified about that. Ah, excusez-moi. Et Israël a vraiment très peur de ça. And let's go back to Gaza, the current Great Return March. In some places we hear
that Palestinians are struggling against occupation and therefore they are demonstrating in Gaza. This is not true. They are struggling for their right to return home, which they have been expelled from 7 decades ago. This et donc, quand on décrit les gens de Gaza qui manifestent, en fait, il faut expliquer qu'ils manifestent pour le droit au retour, c'est-à-dire que tous les Palestiniens ont le droit de retourner là où ils vivaient, où vivaient leurs parents. They are struggling, just like I am struggling, to transform that land where currently the Zionist regime controls the whole of that territory, to transform it from an exclusivist, supremacist project to one that respects the rights of all the people of that land. Et donc il s'agit de transformer cet État d'Israël en un État de supériorité et d'exclusion vers un État qui respecte les droits de tout le monde. Ok. Thank you very much. Merci. Michel Stachowski, vous êtes juif, vous agissez en Belgique et vous appelez au boycott. Or, le lobby pro-Israël, ou le lobby pro-apartheid, devrait-on dire, n'arrête pas de répéter que se dire anti-sioniste, c'est être antisémite. Oui, on a encore un exemple très récent avec un non-juif qui est Kadinouch. Oui, donc c'est l'arme ultime pour eux, enfin, je veux dire, au niveau des médias et au niveau du combat idéologique. Hein, l'arme ultime, c'est de faire passer tous ceux qui militent pour une opposition réelle et effective à la politique d'apartheid, et donc en soutenant le BDS, entre autres, seraient des antisémites. Ce qui est embêtant, c'est quand des juifs le font. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important que des juifs s'opposent en Israël et partout. Et il y en a partout. Hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y en a partout. Nous n'avons pas beaucoup accès aux médias, mais on existe. On existe. Et je voudrais insister sur l'importance pour ceux qui soutiennent la cause palestinienne de refuser cet amalgame antisionisme égale antisémitisme et aussi pour être vigilant vis-à-vis de tentations antisémites que favorisent en fait les sionistes. Par exemple, quand on utilise l'expression « lobby juif », il ne faut pas faire ça. Bon, les sionistes, eux, ils l'utilisent, ils parlent du lobby juif aux États-Unis. Ils l'utilisent parce que, pour eux, il va de soi que tous les juifs soutiennent Israël, que le sionisme, c'est le mouvement de libération des juifs, ils disent ça. Donc, en fait, on entre dans leur jeu quand on parle comme ça. Donc, vous avez bien dit, un lobby pro-israélien, un lobby pro-apartheid, lobby qui soutient le gouvernement israélien, pas lobby juif. D'ailleurs, dans le lobby aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas que des juifs. Hein. Il y a bien sûr l'AIPA, qui est une énorme association très puissante, mais il y a aussi tout le mouvement chrétien évangéliste, hein, ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, qui soutiennent aussi très fort. Bush faisait partie, le président Bush le jeune faisait partie de ce courant très puissant qui existe depuis la fin du 19e siècle. Très ancien, c'est un soutien très ancien à la cause sioniste, chose qu'on ne met pas souvent en avant, mais il faudrait le faire. Donc il n'y a pas que des juifs qui soutiennent l'État d'Israël, et il y a des tas de juifs qui ne le soutiennent pas. C'est important. Maintenant, regardons les choses en face. On a quand même un problème, c'est-à-dire que parmi les gens qui se mobilisent pour la Palestine, parmi les jeunes, je vais dire, moi j'entends de temps en temps, c'est les juifs. Oui, je sais, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Je parle de l'importance, j'ai déjà d'ailleurs écrit là-dessus. C'est vraiment très important de. Bon, l'antisémitisme, il existe dans la société depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles. Et il y a des idées, des préjugés antisémites qui existent, comme par exemple l'idée que les juifs sont tous riches, qui se tiennent entre eux, qui complotent dans l'ombre et qui essaient de contrôler le monde. Ce sont des préjugés qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas seulement le fait de gens qui soutiennent la cause palestinienne. Ce sont des préjugés très ancrés, que moi j'ai été confronté à ça des tas de fois dans ma vie, et pas seulement de la part de jeunes qui sont sensibles à la cause palestinienne. C'est ancré dans la société belge aussi. J'ai pas dit que tous les Belges étaient antisémites, loin de là, mais voilà. Et c'est ça le message important, et on continue à le porter. Moi, je ne supporte pas personnellement que cet État parle en mon nom. Il ne parle pas en mon nom. Merci pour ce message très clair.
question de la possibilité d'agir au niveau local, communal, comme on dit en Belgique. Dirk de Blok, vous êtes, voilà le micro, vous êtes conseiller communal du PTB, le Parti du Travail de Belgique, dans la commune de Molenbeek, qui est maintenant une commune mondialement célèbre, n'est-ce pas? Et c'est une commune avec beaucoup de quartiers populaires d'origine immigrée, surtout arabes, et très pauvres aussi. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste l'action de solidarité avec la Palestine au niveau concret de la commune? De la commune, du PTB dans la commune? Oui, le PTB dans la commune. Nous avons démarré un travail de solidarité déjà il y a quelques années, lié avec notre centre médical, qui s'est jumelé avec un centre médical à Gaza, pour concrétiser en fait que la solidarité, l'aide, que les gens puissent voir ce qu'ils peuvent faire à leur échelle à partir d'ici. Je trouve que c'est très important que les gens se sentent puissants, capables d'influencer les choses à partir d'ici. Et donc ils ont récolté évidemment des milliers d'euros pour fournir du matériel médical. Il y a un médecin qui est là, je crois, je ne sais pas si... Oui, le docteur Hambo-Solarski, de Jean-Marc, voilà, qui a été travaillé là-bas. Et donc évidemment, c'est autant d'occasions pour après venir témoigner et développer en fait la vision de ce qui se passe là-bas. Puis il y a aussi un travail politique en tant que tel. Donc on a mené une campagne pour arrêter les missions économiques que la région bruxelloise organisait pour aller en Israël, visiter des entreprises, des sociétés qui... C'est arrêté ça? On a pu arrêter une année. On a pu imposer qu'en fait ils changent le programme, qu'ils enlèvent certaines entreprises. Une année, finalement, ils ont dit « Ok, on va visiter quelques sociétés en Israël, quelques sociétés en Palestine. » Mais ça sent qu'il y a une pression et ils doivent se justifier, ce qui n'était jamais le cas avant. Et finalement, à Molenbeek même, la dernière campagne, c'était en fait, on voulait imposer à la commune que la commune n'accorde plus de contrats à des multinationales ou à des sociétés qui sont actives dans l'occupation de la Palestine. On a voulu rendre ces gens qui sont très sensibles à la cause palestinienne, on a voulu les rendre acteurs. Et on a écrit une charte qu'on va faire signer, on est en train de commencer à le faire, qu'on va faire signer aux commerçants, aux petites PME, petites entreprises, aux pharmacies, etc., à vraiment tout le monde, pour que ce quartier, ces quartiers-là, soient visibles, en fait, que la solidarité avec la Palestine, eh bien, ça passe par le soutien à BDS. Voilà. Voilà ce qu'on a voulu faire. Et, Il y a eu ici en Belgique un mouvement qui s'appelait École sans racisme, lorsque le parti fasciste flamand a fait 30% dans la deuxième ville de Belgique. Et donc, il y avait des écoles qui affichaient École sans racisme. Il y avait même des communes où on affichait Commune sans racisme. Donc, c'est un peu ça. Vous voulez que ce soit comme une zone libérée. Voilà. On veut qu'il n'y ait aucune représentation de l'État d'Israël. Mais pour ça, on a besoin de tout le monde, des commerçants. Et donc là, vous travaillez dans une commune, pas seulement sur le boycott des produits et des supermarchés ou de la culture ou du sport, mais votre idée, c'est de faire tous les secteurs de solidarité possibles libérés. C'est ça. En fait, on est surtout très engagé dans le boycott économique. Donc, on a ciblé l'entreprise israélienne Meadrim, qui distribue des fruits et légumes. On a le boycott culturel, puisque dans un quartier, un théâtre a décidé de faire... d'organiser une pièce de théâtre israélienne soutenue par le gouvernement israélien. Et donc, on a mobilisé tout un quartier contre cette pièce-là. Et pour nous, en fait, cette zone libre d'apartheid israélien, elle passait par l'action directement. Et donc, on a fait participer les commerçants, les habitants du quartier, des artistes aussi du quartier, tout le monde, pour qu'ils soient avec nous contre ce spectacle qui est soutenu par le gouvernement israélien. Et le jour J, d'ailleurs, ça a été protégé par 6 ou 7 camions de police. Le spectacle israélien s'est tenu derrière les barreaux, protégé par la police. Et c'est vraiment à l'image d'Israël.
C'est-à-dire qu'Israël ne peut pas se balader, venir tout simplement comme ça et sans avoir une protestation en face. Alors, je suis déjà allé 2-3 fois à Montpellier pour parler. C'est une ville, une région qui depuis 50 ans est un bastion du Parti Socialiste, donc en principe de gauche. On attendrait une position plus anticoloniale que les partis de droite. Quel est le rôle du PS dans cette région ? Le Parti Socialiste, pour moi, a toujours été un parti colonial. Il a toujours opté pour la colonisation. Aujourd'hui, nous, en tout cas, on ne demande pas à ce que l'État français soutienne les Palestiniens. L'État français est lui-même un État colonial en Afrique et un État raciste contre cette population qui vit dans les quartiers populaires, où on développe, où on forme une police spéciale pour ces quartiers populaires, où il y a des violences policières, des contrôles aux faciès. Donc on n'attend rien de l'État. Je pense que c'est à nous de faire le travail. Et on est rentré en guerre avec cette municipalité qui a décidé, en fait, que la Palestine ne pouvait pas s'exprimer dans la ville de Montpellier. Et c'est pour ça qu'on est toujours à chercher les gens, parce qu'on a besoin de créer un rapport de force important pour gagner nos batailles. Vous ne travaillez pas vers le haut, vous travaillez en bas, à la base, à mobiliser. Et vous, bon, à Montpellier, c'est une ville comme beaucoup de villes en France, il y a une forte population immigrée, concentrée dans certains quartiers, et vous travaillez surtout avec eux ou, On est au centre-ville aussi de Montpellier, mais on aime bien, oui, aller vers ces gens-là, vers ces quartiers-là, tout simplement parce que c'est des gens qui sont aussi victimes de discrimination et que quelque part, on peut faire quelque chose, on peut être un levier, parce que la Palestine, ça peut être aussi un levier de lutte commune, de convergence de lutte, puisque c'est similaire à leur propre histoire. La question du colonialisme, du racisme, des discriminations, etc., de la violence. C'est colonisé des deux côtés. C'est ça, et donc, moi, personnellement, je suis d'origine algérienne, donc ça me rappelle à ce que mon père m'a raconté sur la guerre d'Algérie. Donc c'est pour ça que je suis autant très active pour la Palestine. Ma dernière question. On entend souvent dire, de façon un peu découragée, les gens ne veulent pas se mobiliser. Mais vous menez là depuis plusieurs années des actions qui débouchent sur des victoires. C'est quoi votre secret ? Je sais pas. Peut-être notre approche qui est différente. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vend dans les quartiers populaires. Je pense que oui, les gens ont été découragés parce que socialement, c'est très difficile aussi. Quand on doit travailler énormément parce qu'il faut payer les factures, les gens n'ont pas forcément le temps de se mobiliser. Donc du coup, ça peut être ça peut être une des raisons. Donc ils ne viennent pas à nous, mais nous on vient à eux. Donc très régulièrement, nous on sacrifie tous nos samedis. Tous nos samedis sont sacrifiés, c'est pour le BDS. Et donc on est tout le temps avec eux, on va les chercher. À présent sur le terrain. J'ai reçu en préparant ceci un texte très intéressant de José, camarade de Sadia, qui, je crois, a joué un rôle très important aussi dans ce travail, mais qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce qu'il y a la grève des trains que les vols étaient trop chers, donc ils ont envoyé une personne. Mais j'ai lu dans son texte une petite note que j'ai envie de partager avec vous, qui me semble très importante. José écrit dans ce texte, sur BDS en général, « On râle souvent contre les gens qui ne veulent pas se mobiliser. Nous avons découvert, il parle donc de BDS à Montpellier, que bien souvent, nos propositions n'étaient pas à la hauteur des attentes des gens. Les gens veulent agir et remporter des victoires. C'est de notre responsabilité de militants, militantes, de trouver les actions permettant de convertir l'immense courant de sympathie pour la Palestine en action et mobilisation durable. C'est une des difficultés majeures de notre comité, mais je crois que c'est peut-être bien aussi un secret, on va dire, de vos réussites. Je crois que c'est une leçon importante qu'on entend là, en ce sens que les actions qu'on lance avec les gens, puisque la force elle est là, les actions ne doivent pas forcément être géniales dans notre cerveau, mais elles doivent être surtout géniales dans le cœur des gens, elles doivent être des choses qu'ils ont envie de faire, qu'ils peuvent faire aussi, qui ne sont pas trop difficiles, et où on peut remporter des victoires qui vont donner confiance.
dire que ça vient un commentaire par rapport à ces expériences que vous avez ensemble? Je veux absolument appuyer le fait que c'est du travail concret, du terrain, ne pas attendre que les gens viennent aller vers les gens. Et le travail de terrain, les gens s'organisent pour gagner, pas pour commenter, pas pour faire des observations. Et donc je trouve que ça, c'est la difficulté parfois de trouver des revendications que les gens voient qui sont ambitieuses et qui auront un effet et qui sont réalistes à obtenir à leur échelle. Et donc effectivement, il y a le boycott concret de proximité dans le centre culturel, il y a le boycott dans les faits de la commune. Et donc, les gens voient que ça a un effet, et quand ils voient qu'il y a quelque chose à gagner qui changera réellement les choses, là il y a une énergie qui se libère. Et donc je trouve que c'est vraiment important, je veux absolument appuyer parce que la décision. Ambitieux et réaliste. Oui, la décision à la commune n'aurait jamais été possible sans la mobilisation du terrain. Le groupe qui s'est tapé des samedis et des jeudis le matin parce que c'est le marché le jeudi. Sans eux, ça n'aurait été jamais possible, parce que d'autres ont essayé ailleurs, sans mobilisation, ben, ça rate. Donc il faut vraiment mettre construire un rapport de force à la place. Ok, je crois que c'est une belle conclusion. J'appelle le docteur Anne Bosolas. Bonjour. Alors, je vais vous pouvez rester parce qu'on va encore vous mettre la conclusion. Oui. Voilà, je voudrais. Anne Bosolas. Une des choses qu'on fait avec le PTB, c'est un festival chaque année. On veut mettre le BDS au centre et donc on a invité Omar Barghouti. C'est le 8 et 9 septembre à la mer. Donc je pense que c'est important de pouvoir joindre le politique et l'agréable. Je pense que c'est une sortie populaire. Voilà. Et la Palestine sera bien présente, je crois. Voilà, bien, Sadia, vous pouvez rester avec moi. Je donne le micro à Anne Bosselars, qui est docteur de médecine pour le peuple à Molenbeek, justement. Et il y a une chose qui est peu connu, c'est que le pharma business, on croit que c'est la Suisse, la France, les États-Unis, l'Allemagne, et en réalité, le pharma business, c'est aussi Israël. Oui, absolument. Il y a l'une des plus grandes compagnies de médicaments génériques, qui est Teva. Ici, dans le public, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que Teva, c'est une entreprise israélienne, mais en Belgique, il y a très peu de gens qui le savent. Et très souvent, les génériques de Teva sont juste quelques centimes moins chers que les autres génériques. Donc c'est très souvent quand le médecin prescrit sur la molécule, donc pour prescrire un médicament générique, le pharmacien va automatiquement donner Teva. Donc c'est des médicaments qui sont très très fortement consommés chez nous. Et c'est pour ça qu'on a trouvé qu'il fallait une action pour sensibiliser les gens, pour expliquer que c'est une firme israélienne qui rend aussi impossible à l'industrie pharmaceutique palestinienne de registrer les molécules qu'eux, ils ont déjà registrées. Ça, c'est Mais Teva, c'est très important. J'ai vu sur Internet qu'ils fabriquent environ 1200 médicaments. Donc, on peut facilement tomber dessus. Moi, personnellement, je vais aller chercher du paracétamol. Je demande toujours le générique le moins cher. On me montre ça. Je l'avais presque acheté, puis je regarde, ah non, je le rends, en criant bien fort dans la pharmacie, gentiment. Ah non, je ne prends pas les produits israéliens, ah bon, c'est un pharmacien, etc. Mais en fait, il y a moyen de se faire avoir avec beaucoup de... Alors j'ai demandé, là, vous voyez à quoi ça ressemble? Parce que donc, s'il y en a 1200, ça veut dire que quel que soit le médoc dont vous avez besoin, vous risquez de tomber dedans. Et ils ont donc toujours un peu ce même type de logo avec deux couleurs ensemble, là, donc ça vous permettra de les reconnaître et de faire un peu de bruit dans votre pharmacie, comme moi, la prochaine fois. Vous avez utilisé des autocollants aussi, pour que les gens... Oui, donc ce qu'on a fait avec toutes nos 11 maisons médicales... Voilà, c'est ce que je vous montre là. Oui, c'est ça, c'est ma petite affiche que j'ai pris, qui pend dans toute ma salle d'attente, pour expliquer aux gens que Teva est israélien et qu'on n'en veut pas. Et donc, ce qu'on a fait pendant... le moment de pic de la campagne, c'est de coller des petits autocollants avec le drapeau palestinien, avec « Je refuse Teva » sur les prescriptions. Comme ça, les gens dans la pharmacie avaient la discussion avec leur pharmacien. Et beaucoup de pharmaciens n'étaient pas au courant non plus que c'était des médicaments israéliens. Et donc, comme ça, on a obtenu à Molenbeek deux pharmaciens très près de chez nous qui ont arrêté de vendre du Teva, donc ils l'ont totalement supprimé de leur stock. À cause des patients qui allaient discuter avec eux et qui ont informé les pharmaciens. Pendant que je vous traduis du néerlandais au français,
acheter des médicaments de Teva, c'est financer le régime d'apartheid israélien avec un bel autocollant. Olivia, votre groupe est aussi actif par rapport aux médicaments Teva en France? Oui, alors je crois que c'est même notre cible prioritaire, et parce que je crois qu'il n'y a rien de plus immoral que de se soigner avec les médicaments d'un État qui empêche les Palestiniens de se soigner et qui les bombarde, détruit les ambulances, les hôpitaux, les dépôts de médicaments et amène des femmes enceintes à accoucher d'enfants mort-nés au checkpoint. Et ça, ce n'est pas très difficile à comprendre. Effectivement, vous l'avez dit, la difficulté, c'était qu'au départ, les gens ne savaient pas que c'était israélien. Pas plus qu'ils ne savent si Roche c'est suisse ou Pfizer américain. Je veux dire, les gens, quand il y a des pubs, et il y a des pubs pour Teva, ils ne précisent jamais, parce que ça ne se fait pas, tout simplement, pas parce qu'ils veulent le cacher, que c'est un laboratoire israélien. Donc la première difficulté, c'était effectivement de faire savoir au public que Teva, et je voudrais dire, puisqu'on parlait à juste titre, de trouver des choses qui sont à la portée des gens comme action qu'ils peuvent faire et où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas impuissants, que nous, on en est aujourd'hui en France, avec sur notre carte vitale, à 250 000 vignettes comme celle-ci, qui sont posées sur que les gens mettent sur leur carte vitale quand ils les présentent, donc aux pharmaciens, ça veut dire non merci, pas Teva, vous me donnez ce que vous voulez, mais pas Teva. Et donc, on a fait des centaines de milliers de vignettes autocollantes qu'on distribue, et il y a maintenant quand même en France 250 000 personnes qui, c'est pas évident parce que les gens, quand il s'agit de santé, ne connaissent pas vraiment leurs droits et sont souvent un petit peu en culotte courte sur, par rapport à des blouses blanches, alors que en fait c'est leur droit le plus absolu de dire non merci, pas ce générique, j'en veux un autre. En fait ils sont clients et le client est roi, et il y a même une obligation. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, il y a, je dirais en Belgique, mais en France, il y a une obligation pour tous les pharmaciens de fournir dans les heures qui viennent, y compris s'ils n'ont que du Teva dans leur pharmacie, un autre générique à quelqu'un qui demande un autre générique. Si vous êtes le matin, il faut qu'il lui donne le soir, ou si c'est le soir, le lendemain matin. Mais on peut aussi, bien sûr, décider de ne pas donner d'argent et de faire travailler plutôt les pharmaciens qui ne font pas de Teva. Parce que, en fait, même au niveau prix, nous, en France, il n'y a pas de vraie différence de prix entre les génériques. On a le choix. Il y a 5-6 gros génériqueurs dans différents pays. Et je pense que Teva, c'est en plus très important parce que ça existe, vous l'avez dit, c'est le numéro 1 mondial au niveau des génériques. Et donc, une générique, c'est une copie hein, de médicaments originaux dont le brevet est tombé en désuétude. Et donc, c'est dans tous les pays. C'est-à-dire que Teva, on a parlé de différentes choses. En France, on n'a pas G4S, hein, par exemple. Mais il y a des pays qui ont tel ou tel... voilà. Teva, c'est vraiment dans tous les pays et c'est à la portée de tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison. Et je crois que c'est vraiment un combat à approfondir ici, en Belgique, et dans le reste des pays. Il y a une coordination qui se fait maintenant à ce niveau-là. Très bien. On a de bons échanges d'expérience. Le dernier panel, il est très important. En France, le mouvement BDS est criminalisé. En Belgique et dans d'autres pays, on essaye aussi de le rendre illégal. Et donc, le message très résumé que je voulais apporter avec ce panel, Olivia nous a fourni un document très intéressant qui montre en fait que ceux qui sont dans l'illégalité, ce sont ceux qui vendent des produits israéliens sans le dire. Il y a dans les règlements alimentaires une règle de traçabilité. On doit savoir d'où ça vient, et quand ils trichent et qu'ils vendent des produits d'Israël, des colonies, sans le dire, ils sont dans l'illégalité. Mais en France, la situation reste critique. Ce qui est intéressant, c'est que Sadia a été poursuivie pour un procès qui a duré 4 ans, et qu'ils ont finalement gagné, la Cour d'appel et la Cour de cassation ont confirmé, le procureur aussi, malgré l'avis du procureur, que appeler au boycott, c'était s'opposer au sionisme, et que ce n'était absolument pas antisémite, et que ce n'était absolument pas un délit.
Mick Napier, qui a parlé avec nous tout à l'heure, a dit aussi qu'en Écosse, leur comité a obtenu la victoire sur ce point. Sorry, I'm forced to summarize it. Je suis désolé. I'm very sorry. Nous avons encore un programme de concert qui vient tout de suite après, et par respect pour tout le monde, je suis obligé de faire ça. Mais ce que nous allons faire, vous avez donné vos adresses mail, on va diffuser les documents de ces différents groupes locaux qui vous permettront d'avoir accès à tous ces textes et de les utiliser dans votre pratique. Avant de conclure en beauté, c'est-à-dire en musique, je voudrais, si vous me le permettez, tirer deux, trois conclusions de ce que nous avons entendu. D'abord, un tout grand merci à ceux qui sont venus, parfois de loin, pour nous permettre d'échanger des expériences magnifiques. Des expériences qui montrent que gagner, c'est possible. De tout ce que j'ai entendu là et de tout ce que j'ai lu en préparant cette rencontre, j'ai appris beaucoup de choses, à savoir que pour changer le rapport de force et changer la situation, il faut faire confiance aux gens. Et ça veut dire qu'il faut être ferme, garder ses principes, ne pas capituler, être prêt à garder le combat pendant longtemps, être patient, être aussi ouvert pour savoir faire des alliances et des fronts et faire avancer les gens à leur niveau, et être, comme on l'a dit, créatif dans les actions que l'on organise pour entraîner les gens dans l'action. Je répète, ça c'est une des choses, je crois, les plus importantes qu'on a apprises dans cette expérience. Les actions, ça ne sert à rien si elles sont géniales dans votre cerveau. Ce qui est important, c'est qu'elles soient vraiment géniales dans le cœur des gens, qu'ils aient envie de faire ça et qu'ils se disent « oui, ça va changer les choses ». Je voudrais dire que le lobby pro-Israël, pro-apartheid, s'est évidemment déchaîné contre nous en nous obligeant à changer de salle deux fois en suivant, des salles annulées, en lançant une campagne de mensonges auxquelles nous allons répondre en temps utile. Un procès est mené contre quelqu'un qui m'a traité d'antisémite et autres compliments. Une plainte a été déposée en justice. Ça suffit maintenant. Et ce que ça montre, c'est que le lobby a peur en réalité. On a l'impression qu'ils sont tout puissants. Il y a évidemment de l'argent, il y a évidemment du contrôle sur la politique et sur l'information. Mais en réalité, ils ont peur. Ils sont évidemment bien organisés, avec une industrie de mensonges et des budgets énormes, qui a été bien montré par Alain Grèche dans un texte sur la Hasbara, qui a été bien montré dans ce livre de Ilan Pappé, La propagande d'Israël, où il montre comment ça fonctionne, comment c'est organisé, quelles sont les méthodes, et ça, il faut les étudier. Et donc, ce lobby s'est déchaîné en essayant de faire annuler la nomination docteur honoris causa de Ken Loach sous des prétextes bidons. Et en réalité, ils travaillent en coulisses parce qu'ils savent qu'en débat, ils n'osent pas. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire. Ils lancent des calomnies contre, pas seulement moi, contre toute une série de... contre tout le monde, en fait, qui s'oppose à la politique d'Israël. Ils lancent des calomnies parce qu'ils ont la trouille du débat. Ils n'osent pas débattre, ils savent qu'il n'y a pas d'argument pour justifier le colonialisme, le nettoyage ethnique et l'apartheid. Le lobby, c'est le lobby de la trouille, ça doit être clair. Et donc la peur doit changer de camp, on l'a bien dit, la criminalisation ne doit pas nous faire reculer. Nous n'allons pas reculer, nous allons résister devant toutes ces calomnies et ces chantages, y compris financiers et de censure. Je sais que vous êtes ici parce que vous aussi, vous allez résister. Je crois que le rapport de force est en train de changer. C'est pour ça qu'ils sont hargneux, agressifs et encore plus menteurs que d'habitude. Le rapport de force est en train de changer. Et je voudrais dire, en conclusion de notre message, nous n'avons pas organisé cette rencontre, contrairement à ce qu'ils disent. Nous n'avons pas organisé cette rencontre parce que nous sommes mus par la haine. Au contraire, ce qui nous motive, c'est l'amour. L'amour de tous les peuples, de tous les gens, quelles que soient leurs convictions, leur culture, leur origine, pour créer une autre humanité et mettre fin à la haine.